Salut à tous, petit Mercato à la Giresse, l'ancien joueur de Bordeaux, âgé de 69 ans, qui a mis 43 buts en 54 matchs, ne fermerait pas la porte du poste de directeur sportif à Bordeaux en cas de besoin. L'ancien entraîneur du PSG de Toulouse, qui a été aussi sélectionneur du Maroc et celui du ou encore du Sénégal, à la retraite depuis le mois de juillet, l'ancien défenseur de Montpellier, Vitorino Hilton, a refusé une offre du stade de Brest. Il compte 512 matchs de Liga, dont 320 avec Montpellier. Il avait aussi refusé des propositions du Brésil. Quant à Newcastle, qui a été racheté par des propriétaires saoudiens qui cherchent un entraîneur pour succéder à Steve Bruce, des noms s'ajoutent à ceux de Antonio Conte, Steven Gerrard, Frank Lampard est venu s'ajouter, Lucien Favre, Eric Ten Hag est venu aussi s'ajouter de l'Ajax, et Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, ainsi que Graham Potter de Brighton et Brendan Rodgers de Leicester. On apprend aussi que Insigne qui tarde à prolonger l'Inter de Milan et Manchester United sont sur les rangs pour le faire venir partir à Liverpool pour plus de 40 millions d'euros avec Chamberlain en provenance d'Arsenal pourrait bientôt faire son retour chez les Gunners. D'Arsenal en manque de temps de jeu à Liverpool depuis le début de saison avec seulement 4 titularisations en 22 matchs. Il avait été absent la saison dernière en raison d'une blessure du genou qui a fait perdre sa place. Dans les choix de Jürgen Klopp, il sera en partance car il y a trop de concurrents avec Jordan Henderson, Naby Keita, James Milner, Thiago Alcantara et Curtis Jones. Mikel Arteta serait prêt à le faire revenir. Arsenal serait prêt à le faire revenir pour un prêt de 6 mois avec une option d'achat. Mikel Arteta a connu entre 2011 et 2016. À Arsenal, il verrait en lui un joueur d'expérience pour côtoyer les jeunes pépites comme Bukayo Saka ou encore Emile Smith-Rowe.
également parler des futurs départs de Thomas Partey avec le Ghana et de Mohamed Elneny avec l'Égypte au Cameroun pour disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévues du 9 janvier au 6 février 2022. L'attaquant de la Juventus, Carlos Rogge, a disputé seulement ses premières minutes lors du derby de la Mole face au Torino. Il avait quitté Santos cet été contre 1,5 million. Il est venu au poste d'avançant. Déjà bien garni avec la Juventus, avec Alvaro Morata, Moïse Kim ou encore Federico Chiesa. Mais son entraîneur, Massimiliano Allegri, compterait dessus, mais la Juventus serait prêt à le prêter dès janvier. Plusieurs clubs italiens sont intéressés, comme le Cagliari, la Sampdoria de Gênes ou Sassuolo. Mais pour le moment, avec les blessures de Morata et Dybala, Massimiliano Allegri compte sur lui pour faire la différence. Le latéral droit du RCA, Jonathan Piusso, est pisté par Monaco et Nice, tandis que Antonio Henrique, l'ancien défenseur, et l'ancien directeur sportif du PSG pourrait devenir nouveau directeur sportif de Newcastle. L'ancien gardien de Monaco, Sergio Romero, qui est libre depuis cet été, qui est resté à Manchester United comme doublure de David De Gea et qui a évolué à Monaco entre 2013 et 2014, ancien de Racing Club, de la Zeddama et de la Sampdoria, serait proche de trouver un terrain d'entente avec Venise. Il devrait passer sa visite médicale. Le Bayern Munich s'est travaillé sur les jeunes alors qu'ils s'appuient sur jamais. Moussaïa sur le latéral droit, Josip Sanjicic. Il dispose d'un autre talent dans son effectif. Il s'agit de Malik Tillman, le germano-américain qui est au Bayern depuis 2015, après plusieurs saisons passées par le centre de formation de Grottafoot. Il empile les buts depuis le début de saison et a achevé la saison 2019-2020 avec 18 buts et 7 passes décisives en 25 matchs partagés entre l'équipe réserve et l'équipe des moins de 19 ans du Bayern Munich qui a découvert la Youth League, mais aussi la Ligue des Champions sans jeu. Il était sur le banc contre Chelsea en 8e de finale retour
Il faisait partie des plans d'antitrafic, mais il a été victime d'une rupture du ligament croisé. La saison dernière, il n'a pas eu de chance de s'exprimer, que ce soit en réserve ou en équipe première. Il a pris son mal en patience et a attendu cette saison pour briller en quatrième division. Avec le Bayern, il compte déjà 2 buts, une passe décisive en 4 matchs. Il est apparu sur le banc du Bayern à 2 reprises. Il a débuté avec l'équipe première du Bayern le 25 août dernier contre le SV Bremen en Coupe d'Allemagne, gagné 2-0. Son profil est un très bon attaquant qui, dans le jeu, a le don de reconnaître les passes et peut marquer des buts. Selon son entraîneur, il est techniquement et physiquement fort et sa capacité à s'affirmer dans des situations individuelles est très dangereux pour la défense adverse. Il a une bonne projection et reconnaît les espaces ouverts dans lesquels il peut s'engouffrer. Il garde son cap. Il a une vraie vue d'ensemble. Lorsqu'il vise le but, il a prolongé jusqu'en 2024. Il est comparé à des joueurs comme Jamal Musiala du Bayern Munich, Florian Wirtz du Bayern Leverkusen et Youssoupha Moukoko de Borussia Dortmund. Ce rôle de buteur est devenu progressivement car il y a 2 ans, il prenait exemple sur Pogba en disant: je préfère jouer en tant que 8 ou 10 qu'en tant qu'avant-centre, je peux marquer à partir de là aussi et j'ai le terrain de jeu. Devant moi, je peux utiliser ma créativité. J'aime Pogba, son style de jeu est similaire au mien quand on joue à 10 ou à 10 ou à 8. Je pense que ce qu'il fait est vraiment fort. Replacé en tant qu'un. Il a été remplacé en tant qu'attaquant par Miroslav Klose, l'entraîneur des attaquants de la catégorie des jeunes du Bayern Munich. Mais il n'a pas encore joué en championnat. Mais il a la confiance de son entraîneur, Julian Nagelsmann. Il a été lancé avec l'équipe des moins de 21 ans d'Allemagne où il a marqué et délivré une passe décisive face à Israël lors de la victoire 33-2. Je vais mettre ma chaîne YouTube.